what we'll see. That's what we'll see. I'm looking for one tug, a pull of a planet, one tail, a wobbling sun. I've searched for years, haven't found a one. But they're out there. One jump in radio redshift, one slip in spectral lines. They'll see if I can show them the signs. Pish tosh. Green men. Take five, take ten. Just a little cash, guys. Budget's tight, don't fund this trash, guys. I can take a hint, better face the facts. Second hand will have to do. Hold your planet, hunters and the bother. You both have the fantasy and why. Finding planets, except they haven't got one. Gotta be forming readily when you think about it, given we've got nine. One jump, blip in the spectrum. One shift, meters per second. One graph, period power. They laugh, but I'm not sour. Here goes 18 months of data crossed and correlated. All I gotta do is run! Pish tosh, green men. I don't mind them. If only they'd look closer. Pure void, no siree. They'd find out there's worlds galore to see. Dun da da dun da da dun dun da dun dun da da dun da da dun dun da. Make way for Pegasi. Was a world round an old pulsar. That's true, but the news is a sun-like star with wobbles too quick and precise to be designed. No fluke, not a spot. If you like it hot, you're gonna love this find. Pegasi 51b, planet discovered. Orbit traced every 4 days, hot as can be. Its orbit, Jupiter's size, was something of a surprise, especially given its star's proximity. Pegasi 51b, it's a new pair of eyes to detect exoplanets soon of migration. As planet falls on its sun, it shifts the stellar spectra. That's how we find the thing called integrity. This will certainly help you. We got your funding, we got your funding. The truth I've been telling you. This is no mean anomaly. Pegasi, Pegasi, Pegasi 51b, planet uncovered. Bonjour et bienvenue à ce millième, je ne sais plus combien on en est, millième live de Confinta Science, au 13e, à ce 13e live de Confinta Science. Bienvenue, j'ai envie de dire installez-vous confortablement, mettez le son, mettez l'image. On va vous faire aujourd'hui une activité sur le thème des exoplanètes en collaboration avec le collectif Conscience et avec le chercheur Franck Celsis. Alors peut-être un petit, avant de faire quoi que ce soit, on va peut-être se présenter pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Moi, je m'appelle Paul. Et moi, c'est Tania. Et bonjour. Bonjour. On est tous les deux médiateurs, médiatrices dans l'association Trace et à l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes. L'association Trace, c'est une association qui fait de la médiation scientifique et de l'éducation populaire autour des sciences. Et l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes, c'est un centre de sciences qu'on anime dans le 5e arrondissement à Paris et qui en ce moment est un peu fermé à cause des événements actuels. Ce centre de sciences est à l'entrée d'un centre de recherche qui s'appelle l'ESPCI, toujours à Paris, dans le 5e. Et en attendant de pouvoir retrouver notre public en 3D là-bas, eh ben, on fait des animations en live sur Twitch et on appelle ces actions Confinta Science et aujourd'hui vous allez pouvoir en faire partie. Alors juste peut-être avant de se lancer dans l'aventure, un petit rappel rapide de
comment ça va fonctionner. Déjà, si vous êtes inscrit, on vous a envoyé un mail avec toutes les instructions et notamment en pièce jointe de ce mail, des fiches qui peuvent être intéressantes d'avoir imprimées ou d'avoir recopiées ou au moins d'avoir mis dans un coin pour aujourd'hui. Si jamais vous ne vous êtes pas inscrit, vous n'avez pas eu ces fiches, peut-être que ce que vous pouvez faire dès à présent, c'est nous envoyer un mail à Confine ta science. Il y a quelqu'un qui va le mettre dans le chat à un moment, de nous envoyer un mail à Confine ta science pour qu'on vous renvoie les fiches. Voilà, comme ça, vous les aurez. Quoi d'autre ? On a avec nous aussi, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont cachés, mais ils sont quand même là et ils sont hyper importants complètement. Arnaud qui s'occupe de la technique, c'est lui qui s'assure que tout ne crache pas d'un coup et qu'on se voit à l'écran. Et Pania et Clémentine qui sont dans le chat et qui répondent à vos questions. Alors, on nous demande si on va créer une exoplanète. C'est une bonne question et la réponse, c'est vous n'allez pas tarder à voir. Mais effectivement, on va vous demander de créer quelque chose et de scientifiquement crédible. Ça, avec le collectif Conscience et leur projet de monde imaginaire, on y vient dans 5 minutes. Avant ça, dans le chat, vous pouvez, comme vous êtes déjà en train de le faire, poser toutes vos questions. Si vous avez des questions, nous, on les lit, on les relaie et on les pose soit à nous, soit au collectif Conscience, si c'est pour le collectif Conscience, soit à la fin de cette activité, on va rencontrer un chercheur, Franck Celsis, on pourra lui poser les questions les plus techniques. En tout cas, n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, si jamais vous n'êtes pas inscrit à Twitch, vous pouvez nous voir, mais vous ne pouvez pas interagir dans le chat. Dans ce cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer plutôt un mail à confinetascience@gmail.com qu'on va remettre dans le chat l'adresse mail si jamais vous en avez besoin. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à cette adresse et nous, on récupérera les questions et on les posera pareil à haute voix pour les partager avec tout le monde. Peut-être une dernière chose sur le chat, du coup, pour qu'on puisse lire et suivre vos questions et vos suggestions, bah, ce serait sympa de ne pas en faire un lieu de flood et de troll. Donc, si jamais il y a éviter de mettre trop de messages qui n'ont rien à voir avec l'animation, et si jamais il y a des personnes qui commencent à flooder, c'est-à-dire à mettre trop de messages ou bien à mettre des messages carrément déplacés ou haineux ou quoi que ce soit, il y a des chances qu'au bout d'un moment, on vous fasse une remarque et puis que si vous continuiez, on vous empêche d'accéder au chat pour la suite de l'activité. Voilà, ça sera la punition. Eh bien voilà, je vous ai tout raconté. On va pouvoir commencer l'activité et peut-être notamment avec Pania qui, avant toute chose, va nous dire puisqu'on va parler d'exoplanète, qu'est-ce que c'est une exoplanète ? Tout à fait. Merci, Paul. Comme tu disais, ce serait bien qu'on sache déjà qu'est-ce que c'est une exoplanète. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ? Ça vous parle ? Si vous connaissez qu'est-ce que c'est, vous pouvez nous écrire dans le chat ou vous pouvez deviner si vous avez des informations, pourquoi pas. Et on va en discuter. Je répète ma question. Je vous demande si une exoplanète, ça vous parle. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ? Alors, si vous savez ce qu'est une exoplanète, allez-y, mettez-le dans le chat. Voilà, on nous dit, on nous hurle en caps lock que c'est une planète hors système solaire. Hors système solaire. On nous dit une planète comme la nôtre, une planète qui n'est pas dans notre système solaire. Une planète qui n'est pas dans notre système solaire. Hors du système solaire. On nous dit aussi, je ne sais pas. On a le droit, hein, quand même. Une planète qui tourne autour du Soleil. Eh bien, justement. Alors, la technique est en train de dire à Pania qu'elle a un écho. C'est pour ça qu'elle vient peut-être d'arrêter de vous parler. Mais vous n'entendez pas la technique. Vous ne savez pas qu'elle est en train de l'écouter. Oui, je ne sais pas quoi faire pour l'écho. Je suis désolée. Non. Alors, je vais essayer de mettre mes écouteurs. Peut-être que ça va mieux. Alors. En tout cas, en attendant, pendant que Pania met ses écouteurs, on vous dit que c'est bon. C'est bon. Alors, du coup, comme vous aviez dit, une exoplanète, une planète extrasolaire, c'est une planète qui se trouve en dehors du système solaire. Dans les années 80, il y avait quand même des théories qui dominaient leur existence, mais on n'avait pas un moyen technique pour les observer à l'époque.
Parce que déjà, ils sont moins petits et aussi beaucoup moins lumineux par rapport aux étoiles autour desquelles ils orbitent. Jusqu'à, en fait, cette histoire a continué jusqu'à 1995, qu'on a observé et détecté la première géante gazeuse qui s'appelle Pegasi 51b. En fait, à 51 années-lumière du Soleil dans la direction de constellation Pégase. Peut-être, Arnaud, si tu peux nous montrer l'image de cette exoplanète. Eh bien, comme vous voyez, elle s'appelle aussi Cnidium, qui est plus grand que Jupiter de taille, que vous voyez ici. Bon, j'espère que mon écho, ça a résolu. Oui, oui, ton écho apparemment a disparu. Ça marche. Du coup, on peut continuer l'activité maintenant. L'exoplanète est énorme. Oui et non. Il y a des exoplanètes qui sont très énormes et il y a des exoplanètes qui sont plus petites que la Terre. Très bien. Donc, les exoplanètes peuvent avoir un peu toutes les tailles. On nous demande, Jupiter n'est-elle pas la plus grande planète de notre système solaire? Je pense qu'on peut répondre tout de suite oui. Oui, Jupiter, ça, elle est connue comme être la plus grosse planète du système solaire. Donc, c'est la plus grosse planète dans le coin. Après, si on se balade, on peut peut-être en trouver des exoplanètes plus grandes. Ça sera peut-être une question qu'on pourra poser plus tard, notamment à Franck qui a fait de la recherche, qui en a peut-être croisé. Pour compléter, si on met Jupiter à côté et tout ce qui se trouve dans le système solaire, sauf Soleil de l'autre côté, c'est encore Jupiter qui est plus grand et plus massif. Très bien. Est-ce que d'autres choses pour l'introduction, Pania, ou on passe à la suite? Non, on peut passer à la suite, je pense. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va accueillir avec nous maintenant le collectif Conscience. Je suis caché. Hop là, voilà, bienvenue au collectif Conscience. Il y a trois personnes qui viennent d'apparaître devant votre écran sous vos yeux ébahis. Bonjour. 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 Thibaut, tu n'as pas encore réactivé ton micro, du coup on ne t'entend pas. Bonjour. Voilà, c'est bon, on a tout le monde. Bonjour le collectif Conscience. Alors, vous allez présenter, peut-être vous saurez mieux le faire que ce que je ne saurais le faire, même si j'avais révisé pendant 10 jours. Vous allez pouvoir présenter votre collectif. Alors, je vous présente rapidement quand même pour les gens qui nous suivent. Avec nous, il y a Théo, qui est le président du collectif Conscience. Avec nous, il y a Éléonore Bello, qui est la secrétaire du collectif Conscience et qui est aussi responsable de projet, notamment du projet dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Monde Imaginaire, dont vous pourrez nous donner peut-être plus de détails, et Thibaut, qui est le fondateur du projet Monde Imaginaire. Je vous laisse peut-être, Théo, présenter qu'est-ce que c'est donc que le collectif Conscience. Eh bien, mon cher Paul, le collectif Conscience est une chose très simple. Pardon. C'est une association de médiation scientifique qui a pour objectif de développer des projets qui sont assez divers, comme celui qu'on va faire aujourd'hui, mais nous avons aussi plein d'autres projets en cours, des choses qui sont plus ou moins connues. On a le compte Twitter en direct du labo, où chaque semaine, vous pouvez découvrir le quotidien d'un scientifique. Voilà, sur Twitter. On a aussi des apéros sur la médiation scientifique qui sont assez réguliers, qui s'appellent les CM Shakers. D'ailleurs, on s'y est rencontrés là-bas, Paul. Le projet sur lequel on a été le plus actif, justement, c'est un peu comme vous, c'est sur Twitch, où depuis 7 mois à peu près, on anime des émissions sur la culture scientifique et de médiation scientifique sur Twitch. Voilà. Donc sur la chaîne de Collectif Conscience. Je suis accompagné d'une super équipe dont Éléonore fait partie et qui m'accompagne tous les jours dans cette aventure. Voilà. Et en ce moment, en période de confinement, on s'est dit qu'on a un rythme à peu près de 2 lives par semaine. Donc vous pouvez retrouver des formats très différents. Et si vous voulez découvrir des sciences, découvrir le parcours de certains médiateurs, vous pouvez nous y retrouver là-bas. Voilà. Et vous pouvez nous, si vous avez des projets, si vous avez des projets que vous avez envie de développer, que ce soit peu importe où vous êtes, vous pouvez aussi nous rejoindre. Le mieux quand même, c'est d'aller découvrir notre site où vous pouvez avoir un petit, vous avez la présentation générale.
Très bien. Alors, peut-être on peut mettre votre site justement dans le chat. Alors, j'ai oublié de préparer l'adresse, mais normalement, en tapant collectif conscience sur Google, c'est un peu la première réponse. Et ça permettra de voir effectivement toutes vos actions. Eh bien. Alors, peut-être que vous allez pouvoir, donc aujourd'hui, Thibaut et Éléonore, c'est vous deux qui allez conduire l'activité qu'on va faire pendant les 30 prochaines minutes. Il paraît que ça va être une activité de création d'exoplanètes. Peut-être on va vous laisser les rênes. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça, comment ça va fonctionner. Merci Paul. Alors notre projet, c'est des mondes imaginaires. Donc ça parle d'exoplanètes, mais ça parle aussi beaucoup de création. L'idée, c'est de créer un monde qui est scientifiquement crédible pour après y inventer ses histoires. Et les contraintes que la science va mettre sur la création de cette planète va induire des conséquences, des contraintes, va forcer des choix qui vont justement stimuler la créativité pour après pouvoir créer dans cet univers. Alors aujourd'hui, on va faire une version simple. On n'aura pas le temps en une demi-heure, une heure de créer un monde en entier et toutes les histoires dedans. Mais avec les fiches qu'on vous a données, qu'on peut montrer peut-être maintenant et dont Paul vous a parlé au début, on veut faire une version simplifiée en s'intéressant à quelques paramètres pour créer des exoplanètes qui pourraient exister. Donc le but là de ce qu'on va faire avec vous, c'est de, grâce à ces fiches, imaginer des exoplanètes qui sont crédibles, qui pourraient scientifiquement exister. C'est ça. Vous allez faire des choix qui vous seront propres, mais qui vont avoir des conséquences sur d'autres caractéristiques de votre planète. Tout ne sera pas possible. Très bien. Et donc, pour vous aider à connaître la science qui va contraindre ces choix, Thibaut vous a préparé un outil qu'on va mettre dans le chat. Oui, tout à fait. Alors, oui, je vois plein de questions sur. Je vois plein de questions du coup sur est-ce qu'on peut recopier les fiches, etc. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Dans le public, si vous n'avez pas d'imprimante et que vous n'avez pas pu imprimer les fiches, vous pouvez complètement les recopier à la main. Et l'écrire à la main au lieu de remplir la fiche papier, c'est pas du tout un problème. De même, il y aura peut-être des informations autres sur les planètes qui seront pas marquées, déjà pré-remplies dans la fiche, et il y aura sûrement des caractéristiques de la fiche qu'on ne remplira pas, donc le format est vraiment très libre. Et la page qui a plusieurs dessins de planètes, vous embêtez pas, on n'en aura sûrement pas besoin aujourd'hui, donc vous n'avez pas besoin de la recopier du tout. Parce que c'est peut-être la plus compliquée des trois quand même. Thibaut, tu présentes le document ? Attendez, j'attendais le feu vert. Alors, en effet, on a mis au point un petit fichier, Excel, qui va nous permettre de faire des calculs assez rapides pour déterminer... Alors, attendez, si vous nous parlez du fichier ou du tableau pour faire les calculs, on ne sait pas ce qu'on a affiché, on vous l'a envoyé. Dans le chat, on vous a mis le lien vers le tableau. Arnaud, si tu peux afficher le tableau pour que tout le monde le voit. Et pour répondre à Picture, il fallait imprimer des fiches. Il fallait en tout cas avoir accès à des fiches. Si vous ne pouvez pas les imprimer, vous pouvez les recopier à la main sur des feuilles de papier. Les fiches, on n'a pu les envoyer qu'à celles et ceux qui nous ont envoyé un mail pour s'inscrire. Si jamais vous ne les avez pas reçues, c'est que peut-être vous n'êtes pas inscrit. Dans quel cas, n'hésitez pas à nous envoyer maintenant un mail à confinetascience@gmail.com et quelqu'un de l'équipe va vous envoyer les fiches tout de suite. Voilà, pardon, vous pouvez continuer. Je vous ai coupé. Alors, je vais reprendre. Comme Éléonore vous l'a dit, pour créer une exoplanète, il faut déjà savoir dans quel environnement on se situe. Et comme nous, on va créer une exoplanète dans un système extrasolaire, eh ben, on va d'abord définir quelle est l'étoile autour de laquelle notre exoplanète va graviter. Alors, nous, on en a choisi une. Elle s'appelle Conscience. Vous pouvez la voir en haut, à gauche du tableau. Et elle a des caractéristiques un peu spéciales. Déjà, c'est une naine rouge. C'est une catégorie d'étoiles qui est assez présente, enfin, qui est même plutôt majoritairement présente dans l'univers. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a pris celle-là, puisqu'a priori, il y a plus de chances que votre exoplanète existe au voisinage d'une naine rouge plutôt que d'une autre type de planète. Sachez déjà que le Soleil est une naine orange ou jaune, tout dépend un petit peu de la classification. Alors, on nous demande dans le chat, justement, c'est quoi une naine rouge ? Alors, une naine rouge, c'est une étoile qui a des caractéristiques un petit peu en dessous de celles du Soleil, c'est-à-dire qui a un diamètre plus faible, qui a une masse plus faible et une luminosité plus faible. D'accord, donc en gros, une naine rouge, c'est un Soleil, mais en plus petit. C'est un Soleil, mais en plus petit et beaucoup plus présent dans l'univers. Il y a a priori beaucoup plus de naines rouges que d'étoiles comme le Soleil.
L'autre différence, c'est qu'elle sera un peu moins lumineuse que le Soleil, mais que sa durée de vie sera plus longue. Nous, dans 5 milliards d'années, 4-5 milliards d'années, notre Soleil ne sera plus en état de fonctionner. Une naine rouge, ça dure un peu plus longtemps. On vous fait des planètes qui vont durer. On nous demande du coup, est-ce que les naines rouges, avant, c'était des soleils ou elles ont toujours été comme ça? Alors ça... Je ne sais pas forcément. Je ne suis pas astrophysicien, donc je ne saurais pas vous dire exactement. Ce qu'on peut faire, c'est que cette question sur les naines rouges, on peut les garder et les mettre dans un coin. On les reposera à Franck à la fin de l'activité qui fait de la recherche concrète là-dessus, donc il pourra sûrement répondre plus facilement. Et puis sinon, c'est pas grave non plus. Alors nous, on a pris une naine rouge, donc pour l'instant, on ne s'intéresse pas trop à la manière dont elle a été formée, ou même on ne s'y intéresse pas tout court. Cette naine rouge, elle est là, et elle a un diamètre légèrement plus petit que celui du Soleil. C'est une étoile qui a un diamètre de à peu près 70% de celui du Soleil, donc plus petit, et donc qui a une masse également plus petite, qui fait environ 25% de celle du Soleil actuellement. En revanche, comme l'a dit Éléonore, la grosse particularité d'une naine rouge, c'est sa luminosité. Ce Soleil-là, enfin cette étoile qui s'appelle Conscience, qui est une naine rouge, a une luminosité qui est 50 fois plus faible que celle du Soleil. Ça implique donc de gros changements par rapport au système solaire dans lequel on est actuellement. Pour preuve, vous pouvez voir dans les lignes qui suivent la ligne nom de la planète, on a replacé la Terre, Jupiter et Neptune dans ce système. Alors les premières lignes, les premières colonnes, elles ne changent pas puisque le diamètre et la densité de la Terre, Jupiter et Neptune, on n'y a pas touché, ainsi qu'à distance à l'étoile. En revanche, vous pouvez voir tout à droite que la révolution de la Terre autour de cette nouvelle étoile, Conscience, elle ne dure plus 365 jours, mais 730 jours. On reviendra en détail après sur ce qu'est la révolution, comment on va la calculer et ce que ça implique pour nos planètes. Voilà. Alors, je fais juste une toute petite pause. Il y a plein de questions dans le chat que je vous ai pas transmises, qui sont surtout sur les naines rouges, etc. Ce que je propose, c'est que toutes ces questions, on les a vues, on les a notées. Là, pour l'instant, on va continuer l'activité avec vous. Mais ces questions, on les a notées dans un coin, on pourra les poser à la fin de l'activité, notamment au chercheur, qui aura un chercheur à la fin, qui s'appelle Franck Celsis. Mais là, pour l'instant, on va continuer l'activité. Autre chose qui est important, c'est que notre étoile étant plus petite et moins lumineuse, elle va apparaître différemment dans le ciel. Et puis surtout, c'est un peu elle qui va déterminer la présence de vie ou pas sur notre planète, la présence d'une atmosphère, de la température moyenne à la surface. Et tout ça, ça va influencer énormément l'environnement de notre exoplanète. Vous pouvez voir d'ailleurs que la Terre, dans la colonne... si je ne dis pas de bêtises, c'est la colonne I. Vous pouvez voir que l'éclairement qu'elle reçoit n'est plus de 1, qui est celui qu'on reçoit actuellement, mais qu'il est 100 fois plus faible ou 50 fois plus faible que l'éclairement qu'on reçoit actuellement. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse différence et que ça va avoir un impact. Qui dit éclairement stellaire plus faible dit température à la surface beaucoup plus faible. Très bien. Alors, comment faire pour créer sa propre exoplanète avec tout ça? Alors, pour ça, vous pouvez voir dans la première colonne, la colonne A, vous pouvez noter le nom de votre planète. Alors, je ne sais pas si le fichier a été envoyé à tout le monde. Alors, on peut remettre dans le chat, peut-être pour tout le monde, le lien vers le tableau. Donc, c'est un tableau que tout le monde parmi vous peut remplir. Donc, dès que vous trouvez une ligne, vous pouvez commencer à choisir une ligne et la remplir. Vous allez rentrer ce que vous avez envie d'imposer pour votre exoplanète et le tableau va faire les calculs. Donc ça va être le moment là. On va le faire étape par étape. Voilà, ça va être étape par étape. Et puis là, Thibaut vient de vous dire, c'est le moment de choisir le nom de la planète que vous voulez inventer. Dans la première colonne, vous notez le nom de votre planète. Alors, vous allez être très nombreux, donc faites attention à ne pas marcher sur les planètes des autres. Sinon, vous allez les écraser. Mais il va falloir réussir à utiliser une ligne chacun. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi le nom de votre planète, vous allez pouvoir déterminer sa taille et sa densité. Alors, la taille de la planète, vous allez la déterminer en fonction de la taille de la Terre. La Terre, elle a un diamètre de 1, comme ça qu'on va le nommer. Et vous, vous pouvez décider de prendre une planète qui est plus ou moins petite ou plus ou moins grande par rapport à la Terre. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il va falloir faire attention en écrivant dans ce tableau, parce que les chiffres se notent avec des virgules et non pas avec des points. Voilà, faites attention, si vous mettez des points, ça ne va pas marcher.
Donc, si par exemple, vous voulez une planète qui fait la moitié de la taille de celle de la Terre, vous allez écrire 0,5. 0,5. On vous a mis des limites un petit peu parce qu'on ne peut pas faire une planète qui est complètement immense ou ridiculement petite. Sinon, ce n'est plus vraiment une planète si elle est trop petite. Et si elle est trop grande, elle risque de rentrer en fusion ou plein d'autres problèmes comme ça. Donc, vous pouvez jouer avec... C'est ça. Vous pouvez faire, vous amuser avec les paramètres comme vous le souhaitez, mais... Vous pouvez essayer aussi de garder un peu de plausibilité. On vous a mis comme repère la Terre, Jupiter, qui, comme on a dit tout à l'heure, est la plus grande planète de notre système, mais pas la plus grande planète tout court, et Neptune, qui est une autre planète gazeuse. Donc, vous pouvez dès maintenant choisir la taille de votre planète et également sa densité. Donc, la densité, c'est si on prend un petit cube de cette planète, est-ce que ce petit cube va être plus lourd en moyenne qu'un petit cube de Terre ou moins lourd ? Donc, ici, on a mis comme référence aussi la densité de la Terre. Et on dit, par rapport à la densité de la Terre, si on est deux fois moins dense que la Terre, c'est-à-dire qu'on est plus léger, on va avoir des planètes qui seront des planètes gazeuses, comme par exemple Jupiter ou Neptune, nos deux exemples. Et si elles sont au moins de la moitié de la densité de la Terre, on va avoir des planètes qui vont être solides, des planètes telluriques. Enfin, je dis solides en surface. Hein. On ne s'intéresse pas trop à ce qu'il y a à l'intérieur, un noyau, tout ça. Et donc déjà, vous pouvez choisir la taille et la densité de votre planète, choisir si elle va être gazeuse ou tellurique, si ce sera une énorme gazeuse dans votre système ou non. Donc, pour répondre du coup à la question de Delcera, comme vient de le dire Éléonore, densité, ça dit à quel point un cube de Terre de cette planète va être plus lourd ou moins lourd qu'un cube de Terre sur notre planète, par exemple. C'est exactement ça. Vous pouvez voir après le document. Que si votre planète a une densité inférieure à 0,5 par rapport à celle de la Terre, ça veut dire qu'elle sera plutôt gazeuse que solide, que tellurique. Ah, c'est des paramètres à prendre en compte. Et quand vous avez fixé la taille et la densité de votre planète, ça va calculer automatiquement dans le fichier sa masse. On est d'accord que plus une planète est grosse, plus elle va être lourde, mais c'est pour ça qu'on vous a demandé de fixer la densité. Si elle est d'autant plus lourde, d'autant plus dense, elle va être d'autant plus lourde. Et donc, oui. C'est juste au passage, attention, bonbon planète, tu as mis un point à la place d'une virgule et c'est pour ça que ça ne calcule rien du tout. Voilà, juste, il faut que tu mettes 0,01. Pardon, je t'en prie. Au passage. Et donc, la densité et la masse, ça va jouer sur un autre facteur qui est très important pour savoir à quoi ressemble notre planète, qui est la gravité à sa surface. Donc, la gravité, c'est la force d'attraction entre nous et la planète. Vous avez sûrement déjà vu des films d'astronautes sur la Lune qui rebondissent très haut. Ben, là-bas, la gravité est plus faible. Vous pouvez voir la gravité comme la hauteur... comme plus la gravité est faible, plus vous pourrez sauter haut avec la même énergie. Si vous faites une gravité deux fois plus lourde que sur la Terre, vous pourrez sauter deux fois moins haut avec la même énergie. Donc, vous pouvez remplir le tableau et regarder, en fonction des valeurs de densité et de taille que vous avez choisies, quelle est la densité de votre planète et comment on va se trouver à sa surface. Ça va influer aussi les formes de vie qui seront dessus. Plus la gravité va être lourde, plus l'évolution va faire des formes de vie qui seront peu hautes et assez trapues. Alors, une petite information, je vous coupe encore, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à ouvrir le tableau, vous pouvez nous envoyer vos diamètres et vos densités par mail. Et nous, on le mettra nous-mêmes dans le tableau et on vous enverra ce que le tableau calcule. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer à l'adresse confinetascience@gmail.com vos diamètres et vos densités. On va calculer pour vous ce que ça va donner comme masse et comme gravité. Voilà, si c'est impossible par téléphone notamment, envoyez-nous un mail. Si je peux apporter également une petite précision, il y a par exemple la planète Loup qui, elle, a décidé de faire une planète avec un diamètre de 40 et une densité de 4, et ça lui fait une masse de 256 000 masses terrestres. Or, vous pouvez voir au-dessus, dans la colonne D, que si on a une masse qui est supérieure à 3350 masses terrestres, ça va poser un problème. La planète va se mettre à rentrer en fusion. Donc, visiblement, ça va plutôt devenir une étoile, et donc la planète Loup ne sera plus vraiment une planète, mais une étoile. Donc, il faut faire attention aux paramètres de manière à ce que ce ne soit pas trop excessif. Si c'est trop excessif, la planète, l'exoplanète ne sera pas réaliste. Mais c'est important d'essayer et d'explorer aussi tout ce qui est possible, voilà. Jouer avec les limites et regarder. Oui. Donc là, on aurait la planète à la plus courte durée de vie avant qu'elle devienne une étoile.
Donc, quand vous avez choisi ces paramètres-là, vous pouvez les écrire sur votre feuille ou sur une feuille que vous faites au fur et à mesure avec ces données-là. Et je vais peut-être laisser Thibaut vous expliquer les trois colonnes suivantes. Oui. Alors, vous avez dans les colonnes suivantes tout ce qui est lié à la distance à l'étoile et à la période de rotation. Alors, une planète est plus ou moins éloignée de son étoile. Et nous, on a pris comme base la distance Terre-Soleil qui vaut 1. Donc, vous avez le choix de mettre votre planète à une distance plus ou moins éloignée de son étoile, de l'étoile conscience. Bien évidemment, encore une fois, il y a des limites. Vous ne pouvez pas vous rapprocher indéfiniment de l'étoile et vous ne pouvez pas non plus vous en éloigner trop. Pourquoi ? Parce que si vous voulez qu'il se passe quelque chose quand même sur votre planète, il va quand même falloir prendre en compte ce qu'on appelle la zone habitable. Et en l'occurrence, pour une naine rouge de dimension de celle de conscience, la zone habitable est inférieure à 0,3 fois la distance de la Terre. Donc, en gros, la zone habitable est beaucoup plus proche de l'étoile conscience qu'elle ne l'est du Soleil. Donc, une fois que vous avez choisi votre distance à l'étoile... Alors, je vais peut-être te demander une petite pause, parce qu'on a plein de questions qui commencent à s'accumuler, et je pense qu'on va peut-être les poser maintenant. Oui. Y a Franck Celsis qui est dans le chat et qui, du coup, répond des fois quand vous avez des questions techniques, c'est super. Merci, Franck, qui est déjà sur le front. Demande si on a tous la même étoile. On est obligé de tous avoir la même étoile ? Oui, en l'occurrence, on gravite tous autour de l'étoile du système conscience. Donc, voilà. Toutes les planètes que vous allez créer vont être autour de la même étoile dont on parlait au début. Par contre, ce sera des clones de cette étoile, sinon il va y avoir des embouteillages. Vu comme vous êtes nombreux, vous n'êtes pas obligé de choisir les distances pour ne pas vous rentrer dedans. On va dire que vous êtes tous la même étoile, mais chacun cette étoile. Là, pour l'instant, on est 35 à travailler sur le tableau. Évidemment, un système stellaire avec 35 planètes aussi resserrées point-là, ça ne peut pas être viable. Et on n'est pas dans quelque chose de très réaliste non plus. On nous demande aussi, est-ce que c'est possible de modifier ce qu'on a déjà marqué ? Il y a J'aime les sciences qui demande si on peut modifier les données qu'on a mises après coup. Vous pouvez modifier, mais pas les colonnes de calcul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer la masse pour qu'elle change la densité, mais vous pouvez modifier la densité pour qu'elle change la masse. Donc, vous pouvez changer toutes les colonnes modifiables, les diamètres, densité. Zildou nous demande si on peut mettre n'importe quel nombre. Tu as déjà répondu, Thibaut, à cette question. Et alors, il y a Delcera qui nous demande pourquoi sa masse est tout le temps à zéro. Quelle ligne es-tu, Delcera ? C'est bonbon planète. Effectivement, c'est à zéro. Bonbon planète. Bah, c'était parce que je viens de voir que tu as changé ton diamètre. C'était arrondi à zéro parce que c'est vraiment tellement petit que la masse est... Tout à fait. Elle n'arrive pas à s'afficher. Au premier vent solaire, ta planète. Hein. Si vous avez une planète vraiment trop petite, ben forcément, sa masse sera trop faible pour être affichée à l'écran. Donc, il faut grossir un peu ta planète. Et Delcera nous demande aussi quelle densité il faut choisir si on veut marcher sur une planète solide, mais quand même molle. Alors, molle, ça va dépendre de la composition de ta planète plus que vraiment de sa densité. Donc, bonne nouvelle, Delcera. Peu importe la densité, tu pourras avoir une planète molle. Il suffit juste de ne pas la faire avec n'importe quoi, mais ça, on verra peut-être après. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je pense qu'on a répondu à toutes les... Oh là, il y en a d'autres qui sont arrivées. Bon, on nous demande aussi... il faut quelle distance pour qu'une planète puisse accueillir la vie ? Ça dépend beaucoup de l'étoile autour de laquelle la planète existe. Et là, en l'occurrence, pour une naine rouge, la distance, elle est entre 0 km, enfin, on exagère un petit peu, mais elle est entre 0 et 50 millions de kilomètres. Donc là, si vous voulez avoir de la vie sur votre planète, il faut vous mettre entre 0 et 50 millions de kilomètres, c'est ça que tu as dit ? C'est ça. Et ici, on l'a représenté par une distance qui vaut 0,3 au maximum. Parce qu'on ne va pas se balader. C'est par rapport à la distance de la Terre. Voilà, c'est tout ça par rapport à la distance de la Terre. Donc, entre 0 et 0,3, on peut avoir la vie. Exactement. D'accord. Donc, il y a beaucoup de qui se sont mis à des distances de 30. Pourquoi pas, après tout, hein, on peut toujours faire ça. Sauf que, là, en l'occurrence, la planète, elle sera beaucoup trop froide pour accueillir la vie. Il ne pourra pas y avoir de vie possible dessus. Mais pourquoi pas, après tout, hein. On peut très bien imaginer des formes de vie, un petit peu comme la Terre, comme les habitants de la Terre qui vont sur la Lune. La Lune n'est pas faite pour abriter la vie. Et pourtant, on peut y vivre. En y installant des modules lunaires ou pourquoi pas en y créant des bases. Donc, ce n'est pas forcément impossible. C'est
C'est juste que naturellement, la vie ne pourra pas se développer sur une planète qui est aussi éloignée que ça de son étoile. Il y a deux petites choses qui sont apparues juste à côté de la distance à l'étoile, c'est le diamètre apparent et l'éclairement stellaire. Le diamètre apparent, c'est à quel point l'étoile va vous apparaître grande. Vous regardez dans le ciel. Voilà. Nous, sur Terre, on n'a pas trop l'habitude de regarder le Soleil avec les yeux, sinon ça se finit mal. Mais si vous pouviez, vous verriez que le Soleil fait une certaine taille. Et bien là, par exemple, pour la planète Michelin, qui a un diamètre apparent de 5 fois le diamètre du Soleil quand on le regarde sur Terre. C'est-à-dire que cette étoile-là est sacrément grosse dans le ciel de Michelin. Et cette phrase n'a pas grand-chose, n'a pas beaucoup de sens. Et l'éclairement stellaire, et bien pour le coup, Michelin a un éclairement stellaire d'environ une fois celui que reçoit la Terre. Donc Michelin est dans une situation tout à fait idéale pour recevoir la vie finalement, puisqu'elle reçoit autant d'énergie solaire que la Terre actuellement. Donc pourquoi pas la vie ? Ce qui est important, si je comprends bien ce que tu dis, pour qu'il puisse y avoir de la vie sur une planète, c'est que l'éclairement, ça soit à peu près le même que sur la Terre. C'est ça, qu'il ne diffère pas trop. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu aussi, mais par exemple, si vous êtes une plante et que vous voulez pousser, vous tirez votre énergie du soleil par la photosynthèse, et si vous n'avez pas de lumière, vous allez avoir du mal à pousser. Et vu que les plantes sont là au départ et se font manger par les autres animaux, les formes de vie qui se passent sur l'énergie lumineuse sont quand même les plus importantes. Donc, très peu de lumière, ça marche peu. Et la distance à l'étoile et la luminosité jouent aussi sur la température. Il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur la température à la surface de la planète, notamment l'atmosphère dont on ne va pas du tout parler aujourd'hui, mais la distance à l'étoile est aussi un facteur. Donc, il faut prendre ça en compte pour l'habitabilité. Peut-être si vous avez réussi à remplir ces trois colonnes, on peut vous présenter les deux dernières ? Ou il y a des questions ? Alors, déjà, on va vous expliquer ce que c'est la période de révolution et la période de rotation. La période de révolution, c'est le temps que va mettre une planète pour faire le tour de son étoile. Pour la Terre, c'est ce qui correspond à une année. Et donc ça va dépendre de plusieurs paramètres que vous avez déjà remplis, la distance et la masse. C'est plutôt logique, plus vous êtes éloigné de votre étoile, plus vous allez mettre de temps à en faire le tour. Si vous êtes proche, le tour sera plus rapide. Et si vous êtes plus lourd, votre vitesse va être plus forte avec l'inertie, et donc vous allez faire le tour plus rapidement. Donc si vous voulez avoir des années courtes, mettez-vous proche de votre étoile et avec une forte masse, et sinon, l'inverse. La période de rotation, c'est le temps que va mettre la planète pour faire un tour sur elle-même et remontrer la même face au Soleil. C'est la durée d'une journée pour nous. On voit le Soleil, on ne le voit plus, et on le revoit. Ça va influencer beaucoup de choses, donc la durée du jour et de la nuit, la température aussi. Si on a des journées très très longues et qu'on passe beaucoup de temps dans la partie nuit de la journée, la planète va se refroidir. Et donc, il y aura des grands écarts de température entre le jour et la nuit. Plus les journées sont courtes, moins ce déséquilibre a le temps d'arriver et plus les températures vont être homogènes. Très bien. Donc là, ce qu'on a le choix, c'est d'imposer une période de rotation. Donc, d'imposer combien de temps dure la journée. Et ce qui est calculé automatiquement, c'est combien dure une année. Exactement. En vrai, la durée de rotation est contingentée par certains facteurs scientifiques, mais c'est plus lié aux conditions de formation de la planète. Aujourd'hui, on crée notre planète, on la met directement, donc on ne s'intéresse pas trop aux conditions de formation, donc on peut fixer librement la période de rotation, la durée d'une journée. Okay. Par exemple, il y a un cas, si on veut commenter un petit peu ce qui est apparu, la planète Grumpf, elle a des années qui durent 229 jours, mais chaque jour dure, lui, 4 heures. Donc, ce sont des journées très rapides par rapport à celles qu'on vit aujourd'hui et une année qui est sensiblement beaucoup plus rapide que sur Terre également. Donc, un enchaînement de saisons, s'il y a des saisons, qui sera beaucoup plus rapide également que sur Terre. Alors, il y a des questions de Franck, chercheur, qui demande pourquoi le calcul de la période de révolution, donc de l'année, dépend de la période de rotation. Alors, la période de révolution ne dépend pas de la période de rotation. Seulement, pour éviter de faire comme si on était sur Terre, on a calculé la période de révolution en jours de la planète qui a été créée.
Donc, d'accord. Il faut bien connaître durée de rotation pour pouvoir l'exprimer. Donc, on confirme bien ce que dit Franck dans le chat, qui est que la période de révolution sur l'année, elle ne dépend pas de à quel point la planète elle tourne pas vite. Du tout. Par contre, si on veut compter en nombre de jours sur cette planète, il faut savoir combien de temps dure un jour sur cette planète. Exactement ça. Donc, la période de révolution sur tout le parcours, enfin l'année, elle est comptée en nombre de jours sur la planète. Voilà. Et donc, nous avons la question de Delsera qui nous demande de répéter, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est rotation et révolution. Alors, la révolution, ça définit la durée d'une année, c'est le temps que met une planète pour faire le tour de son étoile et revenir à sa place de départ. Par exemple, 1er janvier, mars, août, septembre, janvier. La période de rotation, c'est le temps que met une planète, quand elle tourne sur elle-même, à retourner en face de son Soleil. Techniquement, on pourrait même tourner plus vite autour de son Soleil qu'autour de soi-même. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Et Franck demande à nouveau si la période de révolution, quand elle est calculée, là, elle dépend de la masse. Oui. Alors, il y a plutôt l'air de dire que d'habitude, non. J'ai la formule de pi racine du rayon de l'ellipse au cube sur rigueur, constante de gravitation masse. Ça veut dire que vous avez des sources qui vous ont dit que oui, éventuellement, on lui demandera à la fin. De la planète, mais ça dépend de la masse de l'étoile. D'accord, ça ne dépend pas de la masse de la planète, de la masse de l'étoile. D'accord. C'est moi qui n'ai pas été clair tout à l'heure, je m'en excuse. Et c'est très pour bien. Quelle que soit la masse d'une planète, que ce soit un que ce soit de la taille d'un astéroïde ou de la taille de Jupiter, si elle est située à la même distance de son étoile, elle fera le tour de son étoile avec la même durée. D'accord. Donc, grosse ou petite planète, ça ne change rien. L'année va durer à peu près le même temps. Ça dépend juste de où elle est située. D'accord. Excusez ma méprise. Alors, une dernière question. Pourquoi la période de révolution de la Terre sur votre fichier, elle est de 730 jours et pas de 365 jours. Parce que justement, on a changé d'étoile. On l'a mis dans ce système solaire, enfin dans le système conscience. Et donc, elle n'a pas une étoile qui a la même masse. Donc, l'année ne va pas durer la même durée. Voilà, parce que la Terre qui est dans ce tableau, c'est la même Terre que nous, mais mise à côté d'une étoile qui n'est pas la même. Donc, puisque, comme on vient de dire, la masse de l'étoile, ça change la durée de l'année, et bien forcément, ça change la durée de l'année là aussi. OK. Et qu'est-ce qu'on fait alors une fois qu'on a rempli tout ce tableau ? Alors là, on n'a fait que le tableau et c'est la partie atelier qui va bientôt se terminer. Mais je vais vous donner plein de pistes pour comment vous pouvez encore un peu améliorer votre planète. Donc vous pouvez choisir son obliquité, c'est-à-dire la manière dont son axe est penché. Plus la planète sera penchée quand elle tourne sur elle-même, plus les saisons seront marquées. Et donc par exemple, on pourra avoir des espèces migratrices. Vous pouvez choisir si elle a des satellites, combien elle en a. Est-ce qu'ils se croisent ? Est-ce qu'ils font des effets de marée ? Vous pouvez choisir, est-ce que votre planète a des anneaux ? Quelle est la composition de ces océans, si elle en a ? Est-ce qu'elle a des montagnes ? Et toutes ces choses que tu nous dis, c'est des choses qu'on peut choisir et les recopier dans la fiche que vous avez. Exactement. Très bien. Donc, toutes les grandeurs que vous avez récupérées en faisant vos tableaux, vous pouvez les recopier ensuite dans la fiche que on vous a envoyé par mail, que éventuellement que Thibaut est en train de vous remontrer, et éventuellement peut-être Arnaud, Arnaud il peut vous remontrer à quoi ressemble. Voilà, sur cette fiche là, vous pouvez donc déjà dessiner à quoi ressemble la surface de la planète en fonction de comment vous avez envie qu'elle ressemble, et noter tous les résultats des calculs que vous venez de faire pour du coup faire un peu la fiche d'identité de chaque planète. Et du coup, quand vous savez à quoi ressemble votre planète, quel choix vous avez fait, qu'est-ce qui va. Même quand vous n'avez pas encore tout choisi, vous pouvez commencer à la représenter. Donc, j'ai là, je suis désolée, ça va être un petit peu flou, j'aurais dû envoyer les images, quelques exemples de planètes. Une fois que les gens ont décidé leur caractéristiques physiques, ils dessinent ce qu'il y a à la surface, parfois la couleur liée à des compositions spécifiques en gaz ou en autre matière, la manière dont elle est organisée. Et donc, on fait appel à votre créativité pour que votre planète ne ressemble à aucune autre. Ok, ben, on peut peut-être prendre le temps maintenant à ce que chacun puisse dessiner la planète sur la fiche qu'il ou elle a,
Et puis pendant ce temps, on peut répondre à vos questions. On peut répondre aux questions. Donc, c'est le moment où vous pouvez dessiner tous à quoi ressemble la planète que vous avez envie de créer sur la fiche que vous avez imprimée. Ou si vous n'avez pas imprimé de fiche, vous pouvez le dessiner sur n'importe où, hein, en fait. Hein. Vous pouvez le faire sur une bout de papier. Même le faire en 3D avec du papier mâché. Hein. Ça sera juste un peu plus long. Si vous avez trois quarts d'heure devant vous, mais là, on ne va pas les avoir tout de suite, ces trois quarts d'heure. Mais après l'activité, vous pouvez le refaire en 3D avec du papier mâché. Et alors, on a plein de questions pendant que vous dessinez vos planètes. À quoi correspond le type dans la fiche ? Gazeuse ou tellurique. D'accord, donc c'est pour dire si c'est une planète gazeuse ou une planète solide. Sachant que gazeuse ou solide, ça dépend beaucoup de la densité que vous avez choisie pour votre planète. Hein. Une planète qui a une densité trop faible ne pourra pas être solide. Elle sera à partir de gazeuse. Quelle densité on est gazeux et à partir de quelle densité on est solide ou tellurique ? En gros, une planète qui est deux fois moins dense que la Terre est forcément une planète gazeuse. Tu as dit deux fois moins dense, c'est ça ? Deux fois moins dense que la Terre. D'accord. Donc, dès que votre densité elle est en dessous de 0,5, c'est ça ? 0,5 fois la densité de la Terre. Donc, à partir de 0,5 fois la densité de la Terre, c'est une planète gazeuse et sinon, c'est une planète tellurique. Est-ce qu'on peut écrire tellurique dans le chat pour être sûr que tout le monde sait comment ça s'écrit ? Je l'écris. Oh, bah, ça a été écrit par Maxime, c'est parfait. On demande... Alors, attendez. Est-ce qu'une... Quelle est l'épaisseur de l'atmosphère terrestre autour de la naine rouge ? Alors, l'atmosphère, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de calculs et qui dépend d'énormément de facteurs. Mais si j'ai bien compris, c'est la spécialité de notre scientifique d'aujourd'hui. Un petit peu. Donc, vous pourrez lui poser plein de questions sur l'atmosphère dont on n'a pas parlé. Très bien. Donc, si vous avez des questions sur comment ça marche les atmosphères des exoplanètes, Franck, comment ça se forme, comment ça évolue, pourquoi des fois après il n'y en a plus, plein de questions là-dessus. On nous demande aussi si on veut une planète gazeuse verte, il faut qu'elle ait quelle composition ? Alors, sans réviser là comme ça, je ne pourrais pas te répondre, mais dans le kit qui va bientôt être publié sur notre site, on vous donnera des idées de composition pour les océans et les atmosphères pour avoir des couleurs rigolotes. Par exemple, si vous voulez un océan jaune, je me rappelle qu'il faut mettre du soufre, mais ça dépend de la température. Et tout ça sera disponible dans notre kit quand il sera finalisé, au plus vite, j'espère. Et Franck dit dans le chat que vous pouvez mettre l'atmosphère que vous voulez, il vous donne l'autorisation. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et donc, comme vient de le dire... Éléonore, toutes les questions pour être le plus précis possible au niveau de la conception de vos exoplanètes d'ici très bientôt. Alors déjà, là par exemple, pour savoir les couleurs, on pourra peut-être demander à Franck tout à l'heure s'il a des idées. Et sinon, vous pourrez trouver sur le site du collectif Conscience à partir de bientôt, je ne sais pas quand, plus de ressources pour vous permettre de personnaliser encore plus précisément vos planètes sur les couleurs. Je vous fais un avant-goût sur les températures à laquelle on peut avoir des océans et les couleurs de ces océans en fonction de leur composition. C'est encore nulle part, mais ça le sera bientôt. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions ? N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. Et quel type de sol ? Alors, c'est encore une question de composition, mais du coup, je vous la pose. Peut-être vous aurez la réponse, sinon, ça sera peut-être, on verra plus tard. Quel type de sol pour obtenir des continents rouge-rose ? On peut mettre des oxydes de cuivre, des choses comme ça, je pense. Donc, s'il y a beaucoup d'oxydation à la surface, on peut jouer avec l'atmosphère pour avoir une atmosphère très oxydante et avoir beaucoup de choses oxydées à la surface qui donnent cet aspect rougeâtre. Une atmosphère très oxydante, c'est une atmosphère où il y a beaucoup d'oxygène ? Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'atmosphère de peur de dire des bêtises. D'accord. Après, tout ça, c'est un modèle qu'on vous propose. Il y a absolument, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez même passer outre le modèle qu'on vous a proposé. Et l'idée, après, c'est de dépasser juste la physique et d'arriver après à la météorologie, à la biologie et des fois même à la sociologie. Si, par exemple, vous avez une planète très active d'un point de vue géologique, il va y avoir plein de petites îles et pas de grands continents. Il va y avoir des populations qui vont être séparées. Peut-être, linguistiquement, ils auront toutes des langues un petit peu différentes. Socialement, l'organisation ne sera pas la même. Donc, vous pouvez aller bien au-delà de juste les questions physiques une fois que vous avez commencé à créer votre univers. Et nous avons une question de... qu'on peut dire par rapport au champ magnétique. Deux. Pardon, est-ce... Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au champ magnétique ?
Alors ça va dépendre de beaucoup de choses. On a encore du mal d'ailleurs à savoir pourquoi est-ce qu'il y a des champs magnétiques sur les planètes, même si visiblement la réponse se trouverait plutôt au cœur des planètes, quelque part dans le noyau. Mais ça dépend beaucoup de vous. En fait, si vous avez envie de mettre un champ magnétique, ben, faut savoir qu'il y en aura un. Et pour l'instant, la seule chose que vous pouvez savoir, c'est que ça va vous permettre d'avoir une protection contre les radiations de votre étoile. Ce qui peut être pas mal si vous voulez accueillir de la vie et si vous êtes proche d'une étoile qui a pas mal d'éruptions solaires ou de choses équivalentes. Après, dites-vous que si à la formation, vous avez un noyau liquide métallique, vous pouvez décider qu'il va réussir à faire une magnétosphère. Mais des fois, des planètes ont une magnétosphère, puis ne l'ont plus. Donc, on vous invite aussi à faire vous-même vos propres recherches parce que toutes ces questions qui seront suscitées, ce sont d'autant plus d'occasions de vous instruire sur plein de sujets. Alors, je vais vous retransmettre peut-être deux dernières questions. Alors, il y a toutes les questions sur les couleurs d'atmosphère, de sol, etc. C'est pareil, donc comme on a répondu au précédent, on ne va pas pouvoir répondre tout de suite qu'est-ce qu'il faudrait comme composition. Par contre, on peut garder la question, peut-être Franck saura répondre après. Et sinon, plus tard, il y aura des ressources sur le site du collectif Conscience ou bien il y a possibilité de faire des recherches sur Internet et peut-être que vous trouverez les réponses. Et on nous demande deux choses. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des anneaux ? Est-ce qu'il y a des conditions pour qu'il y ait des anneaux autour des planètes ? Bah, il faut visiblement avoir beaucoup de matière autour de soi. On ne sait pas trop encore pourquoi est-ce qu'il y a des anneaux autour de planètes ou d'autres. Par exemple, il faut savoir que la Terre en a eu avant que la Lune ne se forme. La Lune, avant, c'était des anneaux, visiblement un anneau qui n'a pas duré très longtemps, et qui s'est agrégé pour former une seule et même sphère, qui est devenue un satellite. Dans le cadre de Saturne, je crois que c'est l'inverse. Il y avait visiblement un satellite, ou plusieurs satellites, qui, sous les contraintes de force gravitationnelle, ont éclaté en morceaux et ont formé des anneaux. Donc, en gros, si là, dans l'affiche, on a envie de mettre des anneaux autour de sa planète, ça sera toujours scientifiquement crédible, on a le droit de décréter qu'il y a des anneaux. Que ce soit une planète gazeuse ou tellurique, les deux. Donc, si vous voulez des anneaux, vous avez juste à écrire « je veux des anneaux » dans votre fiche et votre planète imaginaire en a une. Ça reste crédible. Et Delcera nous demande… Tout sur les anneaux autour des planètes. Donc, il y a encore beaucoup de questions là-dessus, d'accord. On peut faire ce qu'on veut, vu qu'il n'y a rien qui peut vraiment nous comprendre. Delcera nous demande est-ce que je peux créer ma planète bonbon avec des satellites en chamallow et comment faire pour que ma planète soit en chamallow aussi? Alors, il faudra regarder la composition exacte de chamallow, mais dans une planète qui nous a été faite par un biologiste, il proposait que l'intégralité de la planète avait été mangée par un blob, une espèce... comment on peut dire ça rapidement, une espèce vivante plutôt de type champignon unicellulaire immense qui avait dévoré l'intégralité de la planète et la planète était constituée de ce blob. Donc, si vous voulez faire du chamallow, c'est peut-être possible, mais il faut bien choisir la forme de vie qui réussit à en sécréter suffisamment et vérifier que c'est stable. Et puis sinon, si vous voulez absolument une planète en chamallow, vous n'avez qu'à décider de l'écrire sur votre fiche et puis ça sera une planète exactement. En chamallow. Hein, voilà. La science est censée être un créateur de créativité dans ce cas-là, ils n'ont pas un brineur. Mais Franck nous dit dans le chat que les lunes en chamallow sont interdites par l'International Astronomical Union. Donc, attention, ne pas nous envoyez après. Pas cette planète-là pour pas qu'on soit là, c'était sur une question qui portait sur chamallow, mais il faut savoir que, visiblement, des planètes océans ou des planètes constituées essentiellement de diamants, ça, c'est scientifiquement viable, en tout cas. C'est quelque chose qui peut exister. Et pour rester dans l'alimentaire et le ludique, on a une planète faite par un chimiste aussi qui créait de grandes quantités d'alcool à sa surface et toutes les formes de vie étaient alcoolisées. Donc, c'est un autre choix possible. Et alors, donc une dernière question à laquelle je pense qu'on peut répondre. On nous demande s'il existe un site gratuit pour simuler les exoplanètes qu'on a envie de créer visuellement. Et là, je crois que vous avez une réponse on a même le lien vers la réponse. Est-ce qu'on peut mettre le lien dans le chat? Je l'ai mis quelque part, donc je peux le retrouver pendant que tu réponds. Je ne sais pas si on pense à Map2Globe. En tout cas, dans les ressources qu'on va vous laisser à la fin de l'animation, on a un lien vers un site qui permet de fabriquer votre planète en 3D. Si vous voulez, il suffit juste de dessiner ou de récupérer une image. Et le site, il prend l'image et plouf, il la met sur une boule. Ça vous fait la planète. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous faire la planète en 3D grâce à ce site. Et puis, bah, écoutez, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Tac. C'est un site qui, en fait, vous avez juste à dessiner un planisphère.
Et ensuite, vous le, vous téléchargez sur ce site et ce site vous transforme ce planisphère en planète ronde. Donc, voilà. Vous dessinez ce que vous voulez sur une feuille A4, vous scannez cette feuille A4, vous la mettez sur ce site et hop, vous pouvez mettre dessus. J'ai testé tout à l'heure avec une photo de mon visage et j'ai fait une planète qui avait mon visage imprimé en gros sur toute la surface. Ça marche très bien. Donc là, vous avez toutes les clés. On va peut-être du coup s'arrêter là pour cette activité et passer à la suite. Alors, c'est pas parce qu'on s'arrête là sur le... attention Théo, tu viens de repasser à l'écran. C'est pas parce qu'on s'arrête là que vous, chez vous, vous pouvez pas continuer à remplir les fiches, à créer de nouvelles planètes, à tester de nouveaux trucs, à aller plus loin, à les refaire, à faire des planètes en 3D si vous en avez envie. En tout cas, c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Oui, voilà, pour Delsera, avec une photo de chamallow, tu peux te faire une planète en chamallow. Et créer les formes de vie. Donc, n'hésitez pas à continuer à jouer avec ces fiches, à les remplir. Et surtout, une fois que vous les avez remplies, une fois que vous les avez faites... ça peut être super de nous les envoyer et on va les partager avec le collectif Conscience pour qu'ils puissent les rassembler dans un des immenses systèmes planétaires virtuels inventés par vous. Et puis on est en train de travailler, je complète, on est en train de travailler sur un wiki que vous pourrez compléter et vous pourrez compléter un peu la vie de vos planètes. C'est-à-dire que des gens pourront mettre des histoires sur vos planètes, vous pourrez parler de, vous pourrez, je sais pas, imaginer l'origine, etc. Et vous pourrez aussi mettre vos planètes directement dessus. Donc voilà, c'est l'idée, on va créer un énorme univers totalement imaginaire, mais avec un fond scientifique quand même. Et aussi poser des questions pour que de manière collaborative, les gens puissent vous aider à construire vos planètes. Voilà. Très bien. Donc, si ça vous intéresse de continuer à l'aventure de créer vos exoplanètes, c'est complètement possible. Il suffit de continuer à remplir ces fiches et puis poser des questions sur le site du collectif Conscience et regarder les ressources qui vont y apparaître. Et continuer, si vous voulez, à faire des recherches, à tester des trucs et à les envoyer. On va passer à la dernière partie de cette animation. Pour la régie, je préviens qu'on va juste sauter les scènes qu'on avait prévues où on partagerait peut-être des images, mais finalement, on ne va pas avoir le temps. On va directement passer à l'interview avec Franck Celsis. Mais avant de passer à Franck, on va remercier... il est déjà là. Est-ce qu'on peut faire demi-tour, Arnaud? Désolé. Hop, on va juste quand même remercier en bonne et due forme et dire au revoir au collectif Conscience qui a partagé cet outil de création d'exoplanètes qui est quand même super amusant. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de vous retrouver ailleurs que dans un live de Confinita Science un mercredi après-midi, le 6 mai? Alors pour ne pas changer de plateforme, vous pouvez nous retrouver sur Twitch. Si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez nous follow si vous voulez pas louper de live. On va faire nous aussi on va faire des lives de création de planètes qui seront qui prendront un peu plus de temps. Là l'idée c'était de montrer un peu l'outil, mais là on fera des lives un petit peu plus posés, on pourra travailler, on pourra jouer avec vous, on pourra poser plein de questions, etc. Donc voilà, sur les couleurs, et voilà, et vous nous verrez aussi faire de magnifiques planètes, dessiner de magnifiques planètes. Voilà. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, etc. Enfin, voilà. N'hésitez pas à aller sur notre site pour découvrir nos projets et pour si ça vous dit de nous aider avec des petits dons, voilà, si vous voulez, je casse ça là, mais voilà. Mais si surtout vous voulez nous rejoindre et nous aider à faire plein de beaux projets comme ça. Sachez qu'on est toujours ouvert, à de nouvelles personnes et de nouveaux membres pour faire des projets cool. Voilà. Et le kit et le wiki des mondes imaginaires sera sur notre site. Le kit est déjà sur notre site. Le kit complet. Déjà le télécharger là et faire vos planètes tout au long de l'année, etc. Et voilà. Et il y aura probablement un atelier qui va venir en fin d'année, enfin en tout cas avec les. On verra en fonction des actualités, évidemment. Mais on fera un atelier. L'objectif est à la fin de faire un gros atelier où on travaillera tous en équipe et on fera un énorme système. Voilà, ça va être cool. Super. Merci beaucoup pour d'avoir partagé cet outil avec nous. Merci à vous de nous avoir reçus. Et j'espère que vous allez récupérer plein de planètes pour faire plein de systèmes planétaires dans tous les sens. Et on va accueillir maintenant Franck, qui jusque-là était
comment on dit, caché dans le chat, mais maintenant va être avec nous à l'image. Avec nous, mais... qui est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour Franck, bienvenue à l'image. Et merci de nous avoir rejoints. Alors Franck, si mes notes sont justes, tu es chercheur au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, c'est bien ça ? Déjà, tu as un fond qui est très étrange, mais quel est ce fond ? Moi, je m'étais amusé, ceux qui connaissent reconnaîtront. Très bien, donc c'est un fond que ceux qui connaissent reconnaîtront. Voilà. Ça a un rapport avec les exoplanètes ou pas du tout ? Oui, tout à fait, c'est une exoplanète qui se trouve dans le premier Star Wars. C'est des exoplanètes dans le premier Star Wars ? Oui. D'accord. Donc, c'est des images de Star Wars qu'il y a derrière toi. Tout à fait. Mais d'accord. Je peux les enlever, si vous voulez. C'est moins exotique. Et on nous demande si c'est l'étoile de la mort dans le chat. Ouais, c'est pas l'étoile de la mort, mais c'est vu de l'étoile de la mort. C'est vu de l'étoile de la mort. D'accord. Donc Franck, tu es chercheur au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et tu travailles sur les exoplanètes. Oui. On nous disait tout à l'heure que tu travailles notamment sur les atmosphères des exoplanètes. C'est vrai ? Sur quoi tu fais ta recherche globalement ? Alors, beaucoup d'aspects qui touchent aux exoplanètes. Je suis responsable d'une équipe de recherche. On fait sa recherche à plusieurs. Donc, on a plusieurs spécialités dans l'équipe. On travaille sur la formation des exoplanètes. Alors, peut-être juste, je te coupe. C'est possible que ton micro soit un peu bas. On ne t'entend pas très bien. Oui, pas de souci. On va corriger ça. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai changé de micro. Okay. Oui, donc on travaille sur plusieurs aspects dans mon équipe, la formation des systèmes planétaires, leurs observations, à la fois la recherche de nouvelles exoplanètes, mais surtout l'étude de leurs atmosphères. Et ça recouvre plusieurs aspects. D'abord, essayer de détecter des atmosphères, des constituants atmosphériques. Ce qu'on arrive à faire dans le cas de grosses planètes très chaudes, très proches de leur étoile, ce qu'on aimerait pouvoir faire pour des planètes telluriques plus semblables à la Terre, c'est compliqué. Donc, pourquoi c'est compliqué sur les planètes telluriques, donc sur les planètes rocheuses ? Alors en fait, on a réussi à observer des atmosphères d'exoplanètes en tirant parti du fait que certaines d'entre elles passent devant le disque de leur étoile. Là, parmi, si vous voulez, vous avez une étoile et la planète qui tourne autour, ça peut être dans n'importe quelle géométrie, mais de temps en temps, dans une petite fraction des cas, elle passe devant le disque de son étoile à chaque période orbitale. On dit qu'elle transite. Et dans ce cas-là, il y a un peu de l'atmosphère, du rayonnement de l'étoile qui filtre à travers l'atmosphère, et l'atmosphère laisse une empreinte spectroscopique. Alors la spectroscopie, c'est notre outil à nous, astrophysiciens, pour étudier la composition et la physique des astres. On décompose la lumière. Donc essentiellement, quand on observe un système comme ça, qui a une étoile et une planète, on a essentiellement de la lumière qui nous vient de l'étoile. Mais on peut avoir une partie de la lumière qui est transmise par l'atmosphère. Voilà. Et on tire parti du fait qu'on a quelques exoplanètes, dont celles dont vous avez parlé, hein, 51 PEC par exemple, celle-là ne transite pas, mais disons on a ces Jupiter chauds, des planètes gazeuses très proches de leur étoile, qui ont une atmosphère essentiellement composée d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz très léger, et donc ça fait des atmosphères extrêmement étendues, et du coup on a une signature des composés que cette atmosphère d'hydrogène porte, ça peut être la vapeur d'eau, le monoxyde de carbone, le méthane, qui est assez marquée, et on arrive à la détecter. Si on prend une planète beaucoup plus petite et plus froide, et en plus avec une atmosphère plus terrestre, alors, tous les paramètres qui étaient favorables deviennent défavorables, l'atmosphère devient une espèce de très fine coquille d'œuf, qui devient très très difficile de repérer. Donc c'est compliqué. Ce n'est pas complètement impossible. On peut éventuellement y arriver si l'étoile est toute petite. Si l'étoile est toute petite, à planète donnée, on va gagner en qualité d'observation. Et il y a un système qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle TRAPPIST-1, qui est une toute petite étoile, les plus petites étoiles possibles. C'est à peu près la taille de Jupiter, mais c'est une étoile. Et qui a au moins 7 planètes, des planètes telluriques, et notamment des planètes de température terrestre, dont on ignore la composition, mais on connaît leur masse et leur rayon. Et là, on pourrait tenter dans le futur, notamment avec le futur télescope spatial James Webb, de détecter des atmosphères et d'essayer de détecter des constituants de ces atmosphères. D'accord. Alors, on a eu plein de questions qui ont été posées au cours de,
au cours de ce live. Peut-être que je pense que ça peut être bien de te les partager. Alors, il y en a auxquelles tu as déjà répondu. J'ai une question, Paul, si vas-y. J'en ai sous les yeux. En fait, il y a Léo Raptor qui nous a posé cette question. Est-ce qu'on peut avoir une forme de vie sur les planètes gazeuses? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un article qui est publié aujourd'hui sur cette question-là, mais bon, ça c'est une autre chose. Pourquoi pas, on a plusieurs problèmes avec les planètes gazeuses. C'est donc d'abord, elles sont essentiellement composées d'hydrogène, d'hélium et puis des autres composés en abondance bien moindre. Déjà, on ne va pas avoir de surface sur ces planètes. On va passer directement dans l'atmosphère externe du gaz à quelque chose qui va être ce qu'on appelle un liquide supercritique, des liquides très, très denses. Et il ne va pas y avoir de transition gaz solide, donc il n'y aura pas de surface. On peut éventuellement avoir des gouttelettes d'eau liquide, parce que bon, là, je vous parle d'eau liquide. Je suis passé directement de la vie à l'eau liquide. Je ne suis pas biologiste, je suis physicien. Mais disons que la vie requiert un grand nombre d'ingrédients, mais déjà le premier qui nous semble indispensable, c'est l'eau liquide. Donc avoir de l'eau liquide, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie, il faut plein d'autres choses, mais au moins il nous semble que s'il n'y a pas d'eau liquide, ça devient très compliqué d'imaginer des processus biologiques à base de chimie organique. Et puis hors de la chimie organique, il n'y a quasiment rien. Donc, voilà. On nous demande du coup dans le chat si c'est possible d'avoir les références de l'article que tu mentionnes. Comme si c'est le cas, comme ça on pourra vous les partager avec vous, même après l'animation, peut-être pas immédiatement. Oui, parce qu'il va y avoir, en fait, ça va faire un peu le buzz, il va y avoir, mais bon, c'est simplement un article sur des astrophysiciens d'Harvard qui ont fait croître des bactéries dans des atmosphères d'hydrogène, ce qui est très connu, hein, ça pose aucun problème particulier, mais bon, là, ils l'ont remis un peu dans un contexte, justement, astrophysique. Je vous donnerai effectivement le lien. Pour la vie sur les planètes géantes gazeuses, le problème, c'est d'avoir de l'eau liquide. L'eau est très peu abondante dans ces planètes-là. Et en fait, bizarrement, il faudrait des planètes géantes très, très froides pour que très profondément dans l'atmosphère, on ait des gouttelettes d'eau liquide. Et là, on n'a pas résolu. Pour vous donner un exemple, il est possible qu'il y ait, c'est pas sûr, il est possible qu'il y ait de l'eau liquide sous forme de gouttelettes dans des nuages sur Neptune. Mais Uranus, c'est déjà trop chaud pour avoir ça. Donc, trop chaud par rapport à ces enveloppes d'hydrogène. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, Carl Sagan, par exemple, un planétologue et auteur un scientifique très connu qui avait aussi écrit de la science-fiction, c'est lui qui, par exemple, a écrit Contact, qui a été adapté en film. C'est aussi lui qui avait fait la série Cosmos, qui continue aujourd'hui avec un autre animateur. Il avait imaginé des créatures vivantes dans les planètes géantes qu'il avait appelées des flotteurs, des espèces de dirigeables, de méduses volantes, mais sans dire du tout qu'il pensait que ça existait, mais il essayait d'imaginer comment la vie pourrait s'adapter à un environnement qui n'a rien à voir à celui de la Terre. Voilà. D'accord. On nous demande aussi dans le chat si toutes les planètes ont une rotation et une période de révolution, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'elles peuvent aussi ne pas bouger? Alors, ne pas bouger, il faut bien se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on parle de la rotation de la planète par rapport à l'étoile? Une planète qui ne bougerait pas, d'accord, qui ne bougerait pas du tout, si elle tourne quand même autour de son étoile, le soleil va quand même se lever et se coucher, d'accord. Donc elle aura si elle ne bougeait pas par rapport à, c'est une question complexe, mais si elle ne bougeait pas par rapport à l'espace, par rapport aux étoiles lointaines, si elle n'avait pas de rotation, ce qui est compliqué à voir, parce qu'il y a ce qui s'appelle en physique la conservation du moment angulaire, donc si vous formez un objet, c'est très difficile qu'il ne tourne pas, hein, c'est quasiment impossible, mais bon, imaginons, eh bien, cette planète, elle tournera quand même par rapport à son étoile, dans sa révolution, et donc il y aura le soleil qui se lève et qui se couche. Par contre, on pense que la majorité des planètes dans la galaxie, qui sont des planètes proches de naines rouges, ont la même période de rotation et de révolution. C'est pour ça, par exemple, que dans la planète que j'ai créée dans votre fiche, je me suis débrouillé pour avoir un dans la période de révolution exprimée en jours de la planète. Parce que on est dans le même cas que la Lune par rapport à la Terre. La Lune nous présente toujours la même face. Elle tourne à la Lune, elle tourne en 28 jours. Mais elle a aussi une période de révolution de 28 jours. Ça, c'est lié aux interactions de marée qui déforment les planètes et les oblige finalement à avoir ce type de rotation. Et on pense que les planètes, justement, les planètes de température terrestre, les planètes telluriques de température terrestre autour des naines rouges,
sont quasiment toutes en rotation synchrone, c'est-à-dire qu'elles présentent toutes la même face à leur étoile, elles tournent sur elles-mêmes à la même vitesse qu'elles tournent autour de l'étoile. Et ça va générer des climats totalement exotiques par rapport à ce qu'on a, et ça, c'est une des choses qu'on étudie beaucoup, nous, dans notre équipe. On fait des simulations numériques pour étudier les régimes climatiques, le type de climat qu'on peut avoir, et est-ce que, par exemple, une planète peut être habitable, est-ce qu'elle peut avoir de l'eau liquide. Si elle présente toujours la même face à son étoile, on pourrait imaginer qu'elle va avoir un côté jour très chaud et un côté nuit très froid. Ce n'est pas évident parce que l'atmosphère va redistribuer de la chaleur. S'il y a des océans, ils vont redistribuer de la chaleur, mais ça change complètement la règle du jeu, on va dire, et ça donne des environnements très différents de ce qu'on a. Donc tu dis que tu fais avec ton équipe beaucoup de simulations numériques dans ta recherche. Ça veut dire que finalement, un peu comme le public d'aujourd'hui, vous inventez des exoplanètes et vous essayez de voir comment elles peuvent fonctionner un peu pareil, ou c'est ça. Alors c'est vraiment pas la même démarche. Si, ça peut être la même démarche. Alors au début, avant de découvrir les premières planètes telluriques, par exemple, on inventait tout comme vous avez fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se disait on va essayer de faire, avec ce que nous dit la physique, des planètes réalistes en termes de masse, de densité, etc. Et on essayait à partir de ça de voir quelle pouvait être la structure interne, la dynamique atmosphérique pour différentes compositions d'atmosphère, de déterminer cette fameuse zone habitable qui est la gamme d'installation, on devrait dire, hein, insolation pour le Soleil, installation pour l'étoile, la gamme de distance orbitale, si vous voulez, qui permet, ou s'il n'est pas interdit, d'avoir de l'eau liquide. Si on est trop près, il fait trop chaud. Si on est trop loin, il fait trop froid. Et il y a une gamme comme ça qu'on détermine avec des modèles climatiques. Donc au début, on inventait tout. Et puis on a commencé à découvrir des planètes telluriques. On s'est rendu compte qu'en fait, quasiment toutes les étoiles en avaient. Elles sont dures à trouver. Mais par contre, on sait maintenant que statistiquement, la majorité des étoiles ont des planètes et qu'il y a beaucoup plus de petites planètes que de planètes géantes. Donc là, on a commencé à faire nos simulations sur la base de caractéristiques de planètes observées. Par exemple, les planètes de TRAPPIST-1, par exemple, la planète qui est autour de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Là, on a des informations, on connaît leur période orbitale, donc on sait à quelle distance elles sont de leur étoile, quelle quantité de rayonnement elles reçoivent de l'étoile, donc on a une idée de leur température. Et dans certains cas, on a la masse ou le rayon, et dans certains cas encore plus rares, on a les deux, et donc la densité, la gravité, etc. C'est le cas pour TRAPPIST-1, ou pour les 7 planètes de ce système, on a à la fois la masse et le rayon. Et donc là, on a aussi, les marées nous disent que ces planètes seront en rotation synchrone. Et dans ce cas-là, on peut commencer. Alors, on a encore beaucoup de paramètres libres, notamment tout ce qui est composition de l'atmosphère, quantité d'eau sur la planète, etc. Mais néanmoins, on va finir par... On a bloqué un certain nombre de paramètres et on peut aller explorer les régimes climatiques qui s'y déroulent en jouant sur les compositions plausibles de l'atmosphère, qui sont quand même assez variées. Alors que si on invente de toutes pièces la planète, on a tellement de paramètres libres que le jeu devient quasi infini. Et d'ailleurs, la population observée des exoplanètes nous montre qu'il y a une diversité incroyable et que le système solaire ne présente qu'un échantillon extrêmement, extrêmement limité. D'accord. Donc, on peut effectivement imaginer plein, plein, plein d'exoplanètes vraiment très différentes. Ça va être difficile d'être aussi varié que ce qui existe vraiment déjà. Voilà. Et des planètes en chamallow, il n'y en a vraiment pas ? C'est compliqué. Disons que planète en chamallow, probablement c'est une origine artificielle, donc c'est passionnant. Par contre, ça risque de se faire bouffer. Ça, c'est le problème. Si Galactus passe par là, il va la boulotter. Merci beaucoup, Franck. Je pose une dernière question, parce qu'il y a une dernière question qui vient d'arriver dans le chat et que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup revenu au cours de cette activité. On nous redemande encore. Et donc, si on veut une atmosphère blanche et si on veut un sol bleu, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle composition il faut avoir pour son exoplanète? Et alors, peut-être tu as la réponse et peut-être aussi ça peut être intéressant parce qu'il y a plein de questions sur plein de couleurs. Si jamais on se demande quelle composition pour quelle couleur, est-ce que tu connais des ressources qu'on pourrait aller voir dès maintenant? Je peux peut-être, mais déjà il faut bien préciser une chose, c'est que la couleur telle qu'on l'aperçoit, elle ne dépend pas que de la nature des matériaux, elle dépend de avec quoi on l'éclaire. Et donc là, par exemple, dans l'exemple qu'on a fait, on a éclairé ça avec une étoile rouge. Donc ça va être, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, ce sera toujours rougeâtre. Ça va être très compliqué de faire du vert, de faire du bleu. Si vous prenez une étoile plus blanche, comme le Soleil, alors là, il y aura une gamme de couleurs beaucoup plus... Donc vous pouvez prendre le même matériel, ça, il suffit de le voir. Hein, si vous prenez une surface blanche, vous l'éclairez avec de la lumière bleue, elle va être bleue. Si vous l'éclairez avec de la lumière rouge, elle va être rouge. Pour faire une surface bleue à partir de rayonnement rouge, ça va être très compliqué. Par exemple, le ciel de l'atmosphère terrestre, il est bleu parce qu'en fait, le rouge est absorbé.
et enfin le rouge, pardon, excusez-moi, le bleu est diffusé. Donc, quand on regarde pas dans la direction du soleil, ce qui nous arrive, c'est le rayonnement bleu qui a rebondi sur les molécules de l'air et qui nous arrive. Le rouge, lui, il n'a pas fait ça. Mais si votre étoile, elle est rouge, il n'y a juste pas de rayonnement bleu à diffuser. Et donc, si vous regardez dans une direction autre que celle de l'étoile, qu'est-ce que vous voyez s'il n'y a pas de nuages? Vous voyez le ciel noir et vous voyez les étoiles. D'accord? Nous, on ne les voit pas parce que l'atmosphère nous ramène une partie de la luminosité de l'étoile vers nous et nous éblouit parce qu'on reçoit plus de rayonnement bleu du soleil par notre atmosphère que les étoiles qui sont derrière. Si vous prenez une naine rouge, mais dans ce cas-là, on aura plus phénomène de diffusion. En tout cas, il sera très, très atténué parce qu'il n'y a quasiment pas de bleu dans le spectre de l'étoile. Et donc, dans ce cas-là, ben, dès que vous regardez à côté de l'étoile, vous ne voyez pas un ciel bleu, à nouveau, sauf s'il y a des nuages. Et vous voyez par contre les étoiles. Après, il faut aussi savoir que notre œil, il est particulièrement adapté au spectre de notre étoile et que, bien sûr, si la couleur, c'est un petit peu, c'est aussi beaucoup du ressenti hein, pour nous. C'est comment on analyse. Il n'est même pas certain qu'on voit ce qu'on appelle bleu tous de la même façon. C'est pas évident de savoir ça. Mais on peut définir très précisément, très scientifiquement ce qu'est la couleur. Mais voilà, le paramètre principal, voilà, si c'est très challenging, c'est très difficile de vouloir faire une apparence bleue ou blanche si votre étoile est rouge. D'accord. Ben, merci beaucoup, Franck, pour toutes ces questions. On va devoir rendre l'antenne s'il est, il est déjà 42. Merci à toi d'avoir participé à cette animation et d'avoir répondu à ces questions. Merci de l'invitation. C'était très sympa. C'était un chouette petit tableau à remplir. Eh ben, avec plaisir. On va donc conclure toute l'activité. Merci à toutes les personnes de nous avoir suivis. La prochaine activité sur Confinta Science, c'est lundi. Lundi 11 à 17h. Vas-y, fini. Si tu te souviens tout à ma place. Voilà. Non, mais je voulais juste profiter de vous dire que si vous avez des questions, parce que évidemment vous avez beaucoup de questions qu'on n'a pas répondu. Vous pouvez chercher sur internet en espérant que vous trouvez la réponse, ou sinon vous pouvez participer à notre programme de lundi à 17h, de 17h jusqu'à 18h. On va rencontrer encore des chercheurs qui travaillent sur les exoplanètes. Donc n'hésitez pas de garder vos questions, de poser vos questions sur la. Voilà, il faudra par contre, cette fois, enfin comme aujourd'hui, mais là c'est vraiment nécessaire, il faudra vous inscrire si vous voulez participer aux rencontres de lundi à 17h ou à 17h30, parce qu'on va faire des rencontres en petit comité, donc on a besoin de savoir qui veut venir, comme ça on fait des petites sessions sur internet de vidéoconférence. Voilà, mais donc si vous avez des questions à ce moment-là, vous pourrez les poser, et si vous avez des nouvelles exoplanètes que vous avez créées d'ici là à leur montrer, vous pourrez leur montrer aux professionnels de la recherche qui seront là, ils pourront vous dire si c'est crédible ou pas, par exemple. Et n'hésitez pas à vous envoyer vos planètes. Ouais. Vous pouvez toujours nous envoyer vos planètes que vous avez créées par email, par exemple. Ouais, envoyez-nous vos planètes par email, qu'on puisse les rassembler et faire des galaxies entières de planètes ou des systèmes planétaires de planètes. On va vous envoyer aussi, après cette animation par mail, un lien vers des ressources qu'on a rassemblées et sur le thème des exoplanètes, si ça vous intéresse d'aller plus loin, de regarder des vidéos, de lire des articles, ou voilà. Et enfin, dernière chose, et ensuite on disparaît, la prochaine animation sur Twitch de Confinta Science, c'est mercredi prochain, et on va parler, cette fois-ci, vous pourrez faire des expériences pour voir, faire quelque chose avec de la lumière. Vous verrez bien d'ici là ce que c'est. En tout cas, bonne fin de semaine et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. A whole new world. A whole new world. That's what we. A whole new world. A whole new world. That's what we'll see. That's what we'll see. I'm looking for one tug, the pull of a planet, one tail, a wobbling sun. I've searched for years, haven't found a one. They're out there, one jump in radio redshift, one slip in spectral lines. They'll see if I can show them the signs.
Tish-tosh. Green men. Take five, take ten. Just a little cash, guys. Budget's tight, don't fund this trash, guys. I can take a hint, better face the facts. Second hand will have to do. Gotta be forming metally when you think about it, given we've got nine. One jump, blip in the spectrum. One shift, meters per second. One graph, period power. They laugh, but I'm not sour. Here goes 18 months of data cross and correlated. All I gotta do is run! Pish-tosh, green men, I don't mind them. If only they'd look closer. Find out there's worlds galore to see. Was a world round an old pole star. That's true, but the news is a sun-like star with bobble too quick and precise to be designed. No fluke, not a spot. If you like it hot, you're gonna love this find. Pegasi 51b, planet discovered. Orbit traced every 4 days, hot as can be. Its orbit, Jupiter's size, was something of a surprise, especially given its star's proximity. Planet falls on its side. It shifts the stellar spectrum. That's how we